Excuse me, sir. Where is Legoland? C'est par là. Ah, voilà. On y go. C'est parti. Et nous voici devant l'hôtel de Legoland. Alors voici le dragon géant qui garde cet hôtel. Donc là nous sommes au Legoland de Windsor, pas très loin de Londres. Il y a deux hôtels à Legoland, il y a celui-ci et il y a un autre hôtel en forme de château qu'on vous montrera tout de suite après. Je vais vous faire l'hôtel tour. Tu n'as pas peur du dragon? Non. Ok. De toute façon j'ai une épée pour combattre. Ça veut dire que tu es déjà passé dans la boutique de l'hôtel. Ah oui tiens. Coquin. Allez c'est parti pour l'hôtel tour. On te suit. Nous y voilà. Il y a des Legos partout, vous êtes prévenus, hein. Même par terre. Bon bah pour commencer, nous avons des Legos. Il y en a partout, regardez comme c'est joli là. Il y a même un petit train, voilà, qui se balade. Avec une girafe. Et quand on monte, c'est encore plus joli, regardez ça. Super chouette. Il y a plein de constructions Lego dans les airs. C'est juste magnifique. Il y a même un dragon. On est où? C'est déjà fait un nouveau copain. Fais attention, il n'a pas l'air super commode quand même. Hein. Les Lego sont absolument partout, même pour les files d'attente. C'est trop bien fait. Il y a des Lego dedans. Dans les airs, il y a même le Yellow Submarine des Beatles. Bien sûr, on est en Angleterre. À la réception, il y a des tas et des tas de figurines. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir d'ici. Je me rapproche. Regardez ça. Le mur complet est entièrement constitué de mini figurines Lego. Il y a une collection de dingue. Il y a certainement toutes les mini figurines. Peut-être depuis le début de la collection, je ne sais pas. Waouh ! Autant vous dire que Swan et Neo, ils rêvent d'avoir le même mur à la maison. Hein. Même pour le check-out, c'est en Lego. Voilà, tout est dans Lego ici. Excellent. Même les ascenseurs et même les explications. Des Lego partout. Les quatre sont très jolis d'ailleurs. Et là, regardez, un personnage de la garde royale, tout en Lego également. Oui, il y a des Lego partout. Une grande fosse aux Lego. Néo, faut terminer le mur. Ah oui, faut terminer le mur. Oui, voilà. Ça va vous occuper un petit moment quand même, hein. Ah, tu peux le faire parler, t'as vu? Et bien sûr, ici, il y a la boutique. Alors, c'est une petite boutique, hein. Il y a beaucoup plus dans le parc, évidemment. Mais ça fait déjà plaisir de trouver des articles Lego quand on réside ici. Il y a bien sûr toutes les collections de porte-clés. Plein de trucs sympas. Oh, Swan, t'as pas vu ça, je crois? Regarde, il y avait même un petit labyrinthe en porte-clés. Et le Yellow Submarine des Beatles, il est encore là. Là, il y a plein d'objets qu'on ne trouve pas forcément partout. Des mugs, des petits verres, des manettes, des sacs à dos, des gourdes. Il y a déjà les calendriers de l'Avent. Ah ouais. Donc plein de choses. Et des boîtes géantes, et un sabre de pirate, et une épée dragon, et Swan. Mais donc, coquinou. Et moi, j'aurais bien ramené ça, mais bon, c'est un petit peu encombrant quand voilà. Même. Là, il y a une belle construction aussi. Ouais, c'est le cornichon. C'est le cornichon de Londres, effectivement. Voilà. C'est le surnom qui est donné à cette tour. Et là, il y a de quoi s'équiper. En chevalier ou en princesse aussi, enfin il y a plein de choses possibles. Et Swan il a déjà adopté l'épée avec le dragon. Il y a même tout ce qu'il faut pour aller à la piscine parce que oui, il y a une piscine ici. Alors il y a différents étages dans l'hôtel, nous on est ici. Réception, magasin et parking. On va passer au M. Donc au M il y a justement la piscine dont on vous parlait. Nous voici dans l'ascenseur. Qui c'est qui appuie sur le M? Moi. Ah, voilà. Thank you for using my lift. I'll have you there in a flash. Même là, il y a des animations. Mezzanine floor. Ah, c'est de l'autre côté. Water play, the gym and the Lego suite. Ouh. Ça, c'est pour la compétition des constructions de Lego. Vous pouvez construire une œuvre d'art, n'est-ce pas? Et la déposer à la réception et chaque jour, il y a un gagnant. Regardez, il y a les prénoms là. Et regarde. Ah bah voilà, il y en a un qui a fait ça, c'est chouette, hein. C'est Emmett. Et il y en a qui ont fait des jolies petites constructions aussi, tout mignon. Et ici, il y a la piscine dont on vous parlait tout à l'heure. On a de nouveau les cadrans Lego. Trop chouette. Coquinou. Swan, il est content. Très très heureux d'être là. Et nous voici revenus dans l'ascenseur. Numéro 1,
Allez, premier étage. Au premier étage, ce sont les chambres Lego Friends. That's when you need a friend. Oh, trop mignon. Il y a même la musique. Oh, c'est joli comme tout. Regarde, Swan, plein de copines. Oh, c'est Mimi. Oh, c'est trop joli les couleurs. Oh là là. Bon, les garçons, vous auriez voulu être à cet étage? Ouais. Non. Non, mais chacun ses goûts, effectivement. Moi, ça m'aurait plu, par contre. Hein. Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas à cet étage. Allez, nous repartons avec la petite musique. Excellent. Et donc là, nous allons au deuxième étage. Ce sont les chambres Kingdom, donc les chambres royaumes. C'est les chevaliers. Ah, on va voir. Second floor. Attention. Oh là, c'est très joli. Oula, attention, t'as vu? Il y a un dragon là. C'est beau comme tout. Ouais, trop. Ça va le roi Néo? Ouais, sur son trône. Il y a des potions par terre, effectivement. Je suis donc chevalier. Ah, c'est joli. Attaque. Très sympa. Hein, c'est bien fait quand même. Hein. Chaque étage est complètement customisé. C'est vraiment super bien. Jusqu'à la moquette. Même les portes de l'ascenseur. Les garçons, vous pouvez même ramasser les feuilles. Regarde, il y a un balai, Swan, non? Tu vas pouvoir faire le ménage. Il y a des boucliers aussi. Et une hache. Ah ouais? On va visiter l'étage suivant? Allez. Allez, on repart. Allez, hop. On y retourne. Alors, troisième étage. C'est l'étage des pirates. Oh. Bored of working this lift? It has plenty of ups and downs. Addition. Third floor. Calling all the pirates. Papa! Oh, pirates! Waouh! Très très joli, hein? Là aussi, c'est tout thématisé, c'est trop beau. Il y a une carte au trésor au sol. On peut donc aller récupérer un trésor, je pense que c'est possible. Oh, c'est trop bien fait le sol. Trop joli. Vous avez trouvé le trésor? Ouais. Yeah, 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 yes. C'est bon? Oui. Les pièces, les pierres précieuses. C'est très joli aussi cet étage. Hein. Très très bien fait. Alors nous, on n'est toujours pas à cet étage. Nous ne sommes pas chez les pirates non plus. On est presque arrivé dans notre chambre. Allez, nous repartons. Quatrième étage, ce sont les chambres Aventure et Lego Ninjago. Fourth floor. Ok, adventurers, this is you. Go, ninja. C'est Indiana Jones. Wow. C'est joli, hein? Néo, il est content, il peut se reposer. C'est ça l'aventure avec vous? D'accord. Oh, y a plein d'animaux bizarres. Y a des araignées. Y a des espèces de scorpions, des salamandres. Vas-y, Swan. Tchong tchong. Ah, c'est joli aussi. Hein. Et ici, il y a notre chambre. Vous êtes prêts? Ouais, prêt. Alors, où est notre chambre? Faute, c'est par là. On va essayer de la retrouver. Ah, j'avais pas vu, il y a des vers géants par terre. C'est des serpents. Des serpents, t'es sûr? C'est des serpents. Allez, c'est parti. On recherche notre chambre. Pam, 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 pam. C'est la 456. Voilà. Ah non. C'est pas là. On continue. Bravo, c'est vrai. Hop. Et nous voici dans notre chambre. Donc ici, nous sommes accueillis par un singe en Lego. Bonjour. Nous retrouvons tous les petits animaux effrayants par terre. Je sais pas si je vais accepter de me promener pieds nus ici quand même. Hein. Ça va aller aussi pour dormir là? Pas ouais. Peur? Enfin, les insectes pour l'instant, je les ai tous tués. Ah bah ça va alors. Très sympa ici, le poste de télévision, avec un petit jeu qui a bien passionné Swan quand on est arrivé tout à l'heure. Et là, c'est quoi? C'est un petit animat, ça, non? Ouais, c'est un rat déguisé en Indiana Jones. D'accord. Oh, il est marrant. Et là, c'est un jeu comme un puzzle, en fait, c'est ça? Ouais. Ah, tu dois reproduire un motif, je pense, à la fin. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça va comme tout. Il y a un scarabée sur le mur. Et par là, il y a la salle de bain. Donc, dans la salle de bain, par contre, ça fait très peur, parce que là, on a le chapeau d'aventurier, on se dit, c'est bon,
On est serein, mais regardez ce qu'il y a ici. Le scorpion. Lui, il fait plus peur quand même. Hein. Je peux pas l'abattre. Il y a même une araignée là. Mais non, il est trop. Enfin, il est surtout trop fort. On repart par ici. Et là, on a la chambre avec le perroquet juste là. C'est lui qui va nous surveiller toute la nuit. On a une carte du monde, un petit peu à l'ancienne. Et des hiéroglyphes sur le mur. Sympa comme tout. On est encore bien dans l'ambiance. C'est bon, Swan, tu as eu toutes les bêtes? Je crois. Ah, tu l'as eu celui-là là? Oui. Enfin, non. Ah, oh, c'est bon. Sinon, on va pas pouvoir dormir. Hein. Il y a des bijoux à ramasser aussi. Hein. Ouais, des bijoux. Ah, il y a encore un serpent ici, Swan. Je les ai tous tués. Ah, on est tranquille. Et au-dessus de l'écran de télévision, hop, on a encore une libellule. Trop mignon, le sens du détail. À l'arrière de l'hôtel, il y a un autre espace. Donc en fait, il y a deux entrées si on veut. Et ici, il y a des petits espaces extérieurs avec des jeux dont Swan a déjà profité une partie de l'après-midi. Donc voilà, il y a des toboggans, il y a des petits murs d'escalade, il y a plein de choses. C'est quoi ce combat là? Et Swan, ce n'est pas équitable. Néo n'a pas d'épée. On vient de sortir de l'hôtel et on va rejoindre l'autre hôtel. Parce qu'effectivement, il y en a deux. Il y a aussi le Castle Hotel. Swan, t'étais censé nous faire la visite, hein? D'accord. Tu nous emmènes à l'autre hôtel? Oui. Allez, on te suit. C'est par là, effectivement. Donc là, il y a un petit pont, une petite balade, très sympa. Regarde, il y a des autruches. Alors, montre-nous tout ça. Et effectivement, il y a des animaux en extérieur. Effectivement, ils sont tous en Lego. Il y a des autruches là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un lion et des lionnes. Voilà, juste là. Et le troupeau d'autruches se poursuit jusque là-bas. Il y a un zèbre. Oh, un zèbre et des vautours. On continue avec la savane. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir l'animal qui est dans l'arbre. Un pan ou ça? Non, d'abord, il y a un hibou. D'abord, il y a le hibou tout là-haut, voilà, qui se cache dans les arbres. Là, il y a un papillon, une libellule et encore une libellule. Oui, tout à fait. Et en dessous, oui, un joli pan. Il est magnifique, très très beau et plein de couleurs. Et là, on a une petite famille de renards. Toujours tout en Lego, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a un pêcheur qui est en train de faire la sieste. Et à ses pieds, il y a l'animal totem de Néo. Elle est là, la petite grenouille en Lego. Et voici le deuxième hôtel dont on vous a parlé. Regardez comme il est joli. Là, c'est le château fort. Chevalier Swan, chevalier Néo, vous êtes prêts? Hey. On est accueillis par un premier chevalier juste ici. Bonjour, bonjour. Il y en a un autre de l'autre côté. Voilà. Greg est en train de sympathiser avec lui. Ah, lui, c'est le roi, non? Il n'a pas une couronne? Une couronne. Ah, voilà. Apparemment, le cheval doit faire du bruit quand on passe devant. Non? Ah si, ça y est. On l'a mis en route. Et là-bas, il y a une autre aire de jeu. Voilà, Swan est parti s'amuser. Quand il fait beau et chaud, on peut manger dehors. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, c'est un peu juste. Et donc là, c'est de nouveau en Lego. Trop mignon les personnages, les torches. C'est trop bien fait. Swan, tu t'es fait voler ton épée. Mais où est-elle? Ah, voilà. Et oh, doucement, pauvre chevalier. Alors, à l'intérieur du château, c'est super joli, vous allez voir. Tintin. Magnifique. Wow. C'est super beau. Ah, je vous avais dit que c'était joli dans le château. Vous avez vu? Là où il y a la reine qui nous salue. Et bien sûr, tout ça en Lego, c'est dingue. Bon, là, il y a de nouveau une fosse au Lego. Il y a de quoi faire, hein. Et un petit mur qu'on peut construire si on veut. Ici, il y a le portrait du roi. Il y a les torches en Lego également. Une déco trop trop sympa. Là, il y a un trône avec de nouveau l'animal totem de Néo. Néo qui accourt. Ça va, c'est une jolie musique. Des fois, elle n'est pas aussi sympa. Hein. On va voir. Allez, vas-y. Oh, you rap me. Et voilà. Oh. Tu es les toi? Et
Oh mmh, bien sûr. Le roi est là. Le vrai. Le vrai roi. Le trône l'a reconnu, c'est le roi Swan. Néo, regarde, un copain pour toi. C'est le copain Swan. C'est le fou du roi, mais t'as vu, il a un trésor, hein. Ah ouais. Et plein de pièces. Wow, on a de la chance. Alors ici, les murs sont thématisés aussi. L'ascenseur également, sous forme de bibliothèque, avec un Néo devant. Voilà. Et ici, il y a un restaurant. Alors il y en a un dans chaque hôtel, en fait. Et là, c'est une taverne. Oh, j'avais pas vu en haut. Il y a le dragon. Trop mignon. Dans la taverne, la déco est également sur le thème des chevaliers. Regardez, il y a même des joutes. C'est trop bien fait. Il y a des super lustres. C'est très très joli, hein. Sur le thème du Moyen-Âge. Très sympa. Oh, on fait une rencontre. Bonjour. Elle est très jolie, hein. Alors regardez bien le cadre qui est ici. Vous voyez, il représente un roi. Je bouge. Et c'est pas super bien fait, franchement. Trop trop bien. Et voici ce que ça donne à l'intérieur de la taverne. Comme je vous disais, c'est trop trop bien fait. Je vais vous montrer le dragon là-bas de plus près. Il y a encore un vitrail ici. Et voilà. Il est mignon, non? Enfin, à peu près. Pour l'instant, il a l'air sympa. Il dort. Alors, figurez-vous que tout ce qui ressemble à des vitraux, ce sont en fait des Legos. Mais des Legos transparents, avec des couleurs qui sont assemblées. C'est trop magnifique, incroyable. Super bien fait. Par contre, il devrait penser à faire le ménage, hein. Regardez ce qu'on trouve. La réception de l'hôtel dans le castle hôtel est trop trop jolie. Regardez ça. On se croirait un petit peu chez Harry Potter quand même, hein. On est retourné voir le dragon avec Swan cette fois-ci. T'as pas trop peur, loulou? Non. Il fait des œufs avec. Ce sont les œufs du dragon. Ce sont ses bébés, regarde. Alors pourquoi ils enflamment? Mais c'est pour les maintenir au chaud. Mmh. Voilà, jusqu'à l'éclosion. C'est pour ça en fait. Ça te semble bizarre, hein. On l'entend ronfler, c'est trop bien fait. Oh, mais là-haut, il y a encore un petit problème de ménage, hein. Regardez ça. Alors... C'est vraiment super bien fait. Tout est en Lego, c'est dingue. Et nous voici dans une autre partie de l'hôtel. C'est la partie fun. C'est ici qu'il y a l'aire de jeu pour les enfants. Petits et grands d'ailleurs. On va vous montrer tout ça. Et c'est ici qu'il y a l'autre restaurant. Donc celui-ci, c'est le Family Restaurant. C'est un buffet. Et là, on a Greg Inside qui essaye les jeux. Voilà. Quand je vous disais que c'était pour les grands comme pour les petits. Alors, Swan, tu nous emmènes? L'air de jeu. Alors, l'air de jeu. Il y a un pain de Lego. Voilà. Une cuve de Lego, d'accord. Après, il y a un puissance 4. Wouah. J'ai emporté ça avec moi. Bah, bien sûr. Ce sera tout. Après. Alors c'est parti, t'as pas peur du troll là-haut, c'est bon? Non. Allez, on y va. Donc là, on prend l'escalier. Et ça nous emmène où alors? Ah d'accord. Et ici, on a donc des PS4. Et ce sont les jeux Lego. Lego Marvel Super Hero 2 ou... Lego Worlds, c'est parfait pour les geeks. Alors il y a le sens du détail partout. On a même un hibou là dans l'arbre. On a aussi un pirate qui est suspendu là-haut. Et maintenant on va essayer de vous montrer le restaurant. Donc c'est Bricks Family Restaurant. C'est super joli. Regardez l'accueil avec les briques qui s'allument. C'est trop mignon. La chanson du dessin animé Lego. À l'intérieur du restaurant, tout est en Lego aussi. Super sympa et trop bien fait. On commence par le dessert. Tu veux ça? Oh, tu devrais arriver à la finir quand même. Et il y a encore plein de choses à manger par là. T'as vu? Ça, c'est la machine pour fabriquer les spaghettis. Miam.
C'est trop joli. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Un gâteau peut-être? Un flan? Ah, c'est un flan, d'accord. Il y en a un qui est tombé dedans. Il y a un hamburger. Eh oui, c'est le plat préféré de Néo. C'est la bonne taille, non? Ça te convient, Néo? Et là, il y a encore quelque chose de super sympa, regardez ça. On a le chef cuistot, la vaisselle, tout est en Lego, c'est dingue. Trop trop bien fait. Et la petite souris là? C'est Rémi. C'est Rémi, t'as raison. C'est le gars avec le chapeau. C'est Rémi de Ratatouille. Il s'est trompé de dessin animé. Les décos se poursuivent ici. On a les cuistots en Lego, les bouteilles. Alors, il y a des combats de tartes, hein. Il y en a un petit peu partout sur les murs. Encore une là. Et regarde la Swan. C'est un gâteau là. Ouais, bah dis donc, il y a un petit souci. Pendant qu'ils font un gâteau, il y a les chefs cuisiniers qui sont en train de se battre dans le bol. Là, il y a un chef cuistot qui a un petit souci d'équilibre. Il est monté sur le skateboard, ça lui a pas trop réussi apparemment. Là-haut, on a de nouveau un chef cuistot. On a de nouveau une tarte qui est tombée contre le mur. Encore un chef juste là. Maman? Oui? Ah, oh là là, tu crois qu'il va avoir un problème celui-là? Oui, je pense. Ouais, ça va pas tarder là. La peau de banane, je pense que la catastrophe est imminente. Il y a encore une tarte ici, encore une fracassée. Et regarde celui-là, je crois qu'il est en train de se battre. Il a son chapelet de saucisse. Eh oui, qui c'est qui le tient, le chapelet de saucisse? Le chien gourmand. Donc dans ce restaurant super sympa et plein de couleurs, on peut prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ici, on a même des recettes de cuisine. Donc Swan, tu vas lire les livres de recettes qui sont là, d'accord? Ça fait beaucoup là. Ici, on arrive au Skyline Bar. Regardez comme c'est joli. Toute la ville reproduite avec Acme. Trop sympa. Et tout en Lego, bien sûr, hein. Regardez de près. Hop. On voit même l'intérieur de certains appartements. Là, on voit les petits personnages sur les balcons. On peut même aller à la piscine sur le toit. Wow, il y a même les jacuzzi. Et là, il y a des personnages en Lego géants, avec des têtes un peu spéciales. Ici, on fait aussi de belles rencontres. Je pense que vous les reconnaissez. Regardez ça, c'est le mariage de Kate et de William, avec le prince Charles et le prince Harry. Oh, la jolie famille! Et nous avons ici le roi qui nous accompagne pour notre séjour. À côté de la piscine, il y a le Lego Lounge. Regardez comme c'est joli! On va pouvoir s'installer là pour bouquiner. Oh, la taille de la sculpture! Là, il y a des personnages aussi, mais ils sont pas en Lego. Oh, Néo, tu te souviens de celui-là? Mister Gold. Mister Gold. Oh, quand t'étais petit. Ah ouais, il a fallu acheter plein de sachets pour essayer de trouver Mister Gold. Et on l'a jamais eu. Je m'en souviens de ça. Eh, il y a Aquaman. On a vu le film il y a pas longtemps. Ah, les petites tables en Lego. La reine. Ah, les jolies fleurs. Très très sympa cet espace. Et là, Swan vient de trouver un nouvel espace PS4 encore. Et cette fois, c'est Lego DC Super Vilain. Encore un nouveau jeu, bah dis donc. Il y a ce qu'il faut ici, hein. Il y a encore des belles fleurs sur le bar. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cet hôtel. Regardez ça. Petite salle de cinéma. De quoi occuper à nouveau les enfants. Bon bah je crois qu'on va les laisser là, hein. Il y a même une party zone. Apparemment ça c'est pour fêter les anniversaires. Ça va être sympa aussi, hein. Et enfin, The Brick Pit. En tout, il y a 5 bassins immenses avec plein d'enfants et même des parents qui jouent autour, qui construisent, qui restent là. C'est super sympa. Est-ce que ça te ferait plaisir de résoudre une énigme pour avoir un cadeau? Bien sûr! T'es prêt? Prêt! Regarde ça. Ouh. Alors Swan, est-ce que tu sais ce que c'est? Une énigme. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Ouvrir un coffre. Ah mais attends, avant d'ouvrir le coffre, regarde. Tu dois compter ces animaux-là sur la moquette. Tu dois compter le nombre d'animaux à chaque fois et ça va te donner des chiffres qui, mis côte à côte, te donneront le code du coffre. C'est celui qui est pour l'instant gardé précieusement par notre ami le Ouistiti. Alors regarde, par quel animal tu dois commencer? Lézard. Oui, combien y a-t-il de lézards sur le sol? Déjà un là. Allez, tu comptes dans toute la chambre. Un. Donc un lézard, là il n'y en a pas d'autres. Ici. On compte les serpents?
Non, non, là, ce sont les lézards. Hein. Un lézard. Il est où le deuxième, là? Deux lézards. Ok, on note deux. Combien y a-t-il d'insectes orange sur la carte qui est sur le lit superposé? Alors, attends. Bah, il y en a trois. Alors, il y en a un ici, un là-haut et encore un là, c'est ça? Oui, trois. Allez, trois, on note. Combien y a-t-il de scorpions sur le sol? On va compter. Scorpion ou araignée? C'est scorpion, c'est quoi la différence? C'est ça. C'est ça. Alors, ça, c'est l'araignée et scorpion. Ah oui, c'est pas pareil. Allez, c'est parti, on compte. Un ici. Deux par là. Oui, je le vois. Non, celui-ci, il n'est pas sur le sol, tu vois. Donc, il ne compte pas. Alors, là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Trois scorpions. On note. Quel est le numéro sur ton cube de jeu à l'endroit où se trouve la télévision? Il y a un numéro quelque part? Ou peut-être qu'il faut reconstituer un puzzle. Bah, et peut-être que ça forme un chiffre. La momie. La momie. Regarde le côté vert là. Il y a une écriture verte à un moment donné. Voilà ça. C'est pas ça qui va former un nombre à un moment? Si, t'as raison. Ah, voilà, il me semblait. Allez, on cherche. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, tu touches au but. Allez, encore. C'est un 5, non? Enfin, attends, on va vérifier. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. On garde le suspense. On vérifie jusqu'au bout. Et voilà! C'est quoi? C'est bien le chiffre 5. Okay. Allez, c'est bon. 5. Allez, le 5. Bon, et bah, maintenant, il était déjà sur le 5. Voilà, maintenant, on met tous les chiffres ici. Allez, vas-y, est-ce que ça fonctionne? C'est bon? Oh, ah, d'accord! Il y a un vrai cadeau? Oui! Oh là là, trop génial! Oh, génial! T'es content? Mais c'est méga bien! Oh là là! C'est quoi tout ça? Oh, ça, c'est un magazine Lego! Et ça, c'est quoi? C'est une construction avec Nikiti! Et c'est Iron Man bizarre! Trop trop bien! Donc, effectivement, il y a un petit sachet Nikiti. Et il y a un petit sachet avec Iron Man. Excellent! Et oui, vous avez un sachet chacun en fait. C'est ça, il y a deux enfants dans la chambre, hein, Léo? Ouais. Et donc deux sachets de Lego. Oh, c'est trop drôle! Ça t'a plu, Swan, la petite énigme? Oh oui! C'est une bonne idée, hein. Franchement, une petite chasse au trésor comme ça, là, super sympa. Bon, par contre, on jouera avec les Lego demain matin, hein. Ah, c'est... Parce que là, il est l'heure de quoi? D'aller, oui. Eh oui! Et c'est la fin de cet hôtel tour à Legoland. Alors, c'est comment cet hôtel? Méga bien! Ouais. Ça vous plaît? Oui! Alors, les garçons ne dorment pas tous deux là-haut, hein, je vous rassure. Il y en a un des deux qui va dormir en bas. C'est Swan qui dort en bas? Ouais. D'accord. Ah, oui, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez préféré dans l'hôtel? Hein, les goûts, en fait, tout ça, hein, bah, oui, c'est original. Évidemment. Les étages avec tous les thèmes. Et vous, dites-nous ce que vous avez préféré dans l'hôtel Legoland. Laissez-nous dans les commentaires. Ah, c'est vous. Abonnez-vous. Bisous. Bye bye, j'ai plein de bisous, plein de Lego. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ah ah, il y a une énigme à résoudre pour savoir. Une énigme? Alors on va le faire.